Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David K et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très brièvement, avant de commencer l'ouverture Pokémon, oui, vous avez bien entendu, l'ouverture Pokémon. C'est décidé, la réorganisation finale des chaînes, la chaîne David K Off, sur laquelle vous vous trouvez, et l'autre chaîne récemment renommée David K, là où je fais du Brawl Star. Pour faire très simple, je ne pouvais pas faire les ouvertures de cartes Pokémon là où je fais du Brawl Star jeu mobile. Tout simplement parce que le jeu mobile, c'est très différent de l'ouverture de cartes. Sans compter le fameux Wild Rift de League of Legends, éditeur Riot, racheté par Tencent, tout ça, qui arrive et qui correspondra beaucoup plus à la communauté Brawl Stars. Pour faire simple, pour faire clair, après une énième réorganisation des chaînes, cette fois-ci, j'espère que c'est définitif. Si j'ai choisi cette organisation-là, c'est parce que c'est l'organisation que vous m'avez conseillé à travers Twitter ou différents sondages sur la chaîne YouTube. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez tout simplement mes petits délires du moment, mes petites unboxings, tous les petits trucs high-tech que je récupère par-ci, par-là, mais surtout et certainement mes ouvertures de cartes Pokémon. Bref, si vous êtes ici sur la chaîne David K Off, vous savez que c'est majoritairement pour de l'unboxing et notamment de l'unboxing de cartes Pokémon. J'ai pas du tout envie de m'asseoir sur l'unboxing de cartes Pokémon, c'est actuellement l'une de mes passions, j'aime ça, et j'ai envie de le partager. J'arrête tous ceux qui diront, oui c'est pour l'argent, quand tu fais 3000 vues sur une vidéo, sur une ouverture qui te coûte 100 balles, je vous dis tout de suite que vous êtes pas rentable. Donc je le fais bien, bel et bien, voilà, pour le plaisir, et parce que j'ai envie de le partager. Et quand vous serez donc sur la chaîne David K, je rappelle qu'ici on est sur la chaîne David K Off, et bien sur la chaîne David K, vous êtes sur le jeu mobile. Que ce soit Brawl Stars, ou peut-être Wild Rift à l'avenir, j'en sais encore trop rien. Bref, c'est très simple. David K Off Unboxing, David K jeu mobile. Voilà, je tenais à faire cette explication très claire avant de vous proposer une vidéo qui était disponible hier pendant 2 heures que j'ai mis en privé par la suite, étant donné que, un, ça faisait très très peu de vues, mais c'est surtout que ça a embêté le contenu Brawl Stars. Du coup, ici, peu importe les vues, je m'en fiche, je vais pouvoir laisser tourner mon contenu Pokémon tranquille, et de l'autre côté, laisser tourner mon contenu jeu mobile. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, je vous invite maintenant à prendre plaisir sur la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, c'est David K, on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon directement dans le feu de l'action avec un booster japonais, un display complet de booster japonais. Donc si je dis pas de bêtises, on en a 20 les gars, et dans ces boosters, vous pouvez retrouver les fameuses cartes Amazing Rare version japonaise. Elles sont magnifiques, je possède déjà le Jirachi, je n'ai toujours pas ouvert de Celebi, et là je t'avoue que rien que de dire Celebi mon gars, j'ai envie d'en débloquer un. Donc comme toujours, petit concours sous cette vidéo, vous me suivez sur les réseaux sociaux pour connaître les vainqueurs, ils sont toujours annoncés en story, d'ailleurs j'attends une ou deux photos à l'heure où je la tourne. La vidéo, j'ai pas encore reçu les photos, mais à l'heure où elle est publiée, il y a très certainement les photos sur les réseaux sociaux, donc suivez mes stories. Pour rappel, voilà, tu participes en likant et commentant avec ton moment préféré. Bien sûr, il faut être abonné de la chaîne. Donc là, tu perces, tu soulèves. Ouh là là. Ah. Mais alors, attends. Oh la vache. Non mais, oh la vache, les gars, je vous jure, c'est... Ah, voilà. Donc, directement, tu fais, voilà, tu fais la petite... Tu fais la petite installation, ça se découpe et directement après, voilà, tu découvres les boosters. Donc, on va tout sortir. C'est une giga ouverture, les gars. Maxi ouverture de 20 boosters, le display complet aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de vous régaler. Et j'ai décidé de me régaler aussi, on va pas se mentir, hein, du coup, par conséquent. Écoutez, on met tout ça de côté et ça part avec juste ici le premier booster de Celebi. Enfin, je veux Celebi. Voilà, moi, je veux Celebi. Après, si je prends une Amazing Rare, je suis quand même super content, je vais pas te mentir. Hein. Voilà. Si je tape une Amazing, ça me va. Ah, mais incroyable. C'est un booster de l'enfer, celui-là. Ok. Alors, logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est 1, 2, 3, 1. Je crois que c'est ça. On va voir. Alors, hop, c'est parti. Clac, 9-9. Alors, je les connais pas tous. Voilà. Darmanian, fromage de Meumeu. Oh, ça fait plaisir. Première petite full art, petite première V, ultra rare. C'est cool. Bon, c'est pas le Pokémon préféré. Alors, ça fait plaisir. J'ai vraiment l'impression que le taux de drop sur les boosters Jap, il est vraiment un power up, quoi. Tu sais, enfin, c'est vraiment un truc de malade, je trouve. Ah, par contre, les gars, vous allez rigoler. Je suis à deux doigts de faire un cut et d'aller chercher un ciseau. De me dire, je vais ciseauter les boosters. Parce que là,
Ah, ça y est. Voilà, il suffisait de dire je vais chercher les ciseaux et le booster a pris peur. Hop, voilà, je mets ça de côté. 1, 2, 3, 1. Allez, c'est parti. Hop, axoloto. Pomme de pique. Flombard, un truc comme ça. Ça, c'est l'évolution de Yanma. Pokéball, Super Ball pour Etenat. Oh, exact. Ok, les amis, pour le moment, juste une petite reverse. Ça fait plaisir. Clac. Nouveau booster. On a Lugia, on a Zarud, Zancian, Celebi. On en a du monde dans ces boosters à récupérer. Et moi, ce qui m'intéresse le plus. Eh, par contre, les gars, je vous jure, les boosts, je vais me. Non, les gars. Tour de magie. Voilà, le tour de magie, il est là. Je suis de retour avec directement un ciseau, les gars. Non, parce que là, très clairement, j'étais en train de galérer. Laisse tomber. Oh, j'ai été capable de couper et de pas ouvrir. Ah, c'est bon. Je galérais trop, les gars. Je galérais trop. Franchement, on perd un temps fou sur l'ouverture. Hop, hop, hop. Voilà, on enchaîne. Allez, Karatroc, Sinistrail, Melofey, Super Bowl, Lucario. Super beau. Oh. Pour le moment, rien du tout. Je fais le tri parce qu'en fait, je me suis rendu compte, notamment sur les groupes Facebook, que vraiment, quand t'as des genre des maxillos d'holographiques et tout, bah tu peux revendre ça à bon prix en vrai, hein, tu vois. Donc, tout voilà, faut vraiment faire le tri. J'ai vu que ça a brillé, j'ai pas fait le tri. Pique les ronds, pommes de pique. Oh, Faramp, oh, elle est magnifique la carte de Faramp là. Pouah, que du lourd. Une ultra, elle est genre sublime, les gars. Ça rigole, zéro. Attention, petite médaille du héros. Evolution de Yanma. Hop, et une carte dresseur. Hop, waouh, super belle. Alors, elle est magnifique, hein. Magnifique, cette petite carte Jap, là. Elle est nickel. Bon, alors, c'est vrai que les cartes Jap, le dos, c'est pas le même. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, mais moi, j'adore, hein. Franchement, les cartes Jap, il y en a que je trouve super belles. En vrai, j'aurais dû genre tout découper au préalable. T'sais. Mais après, attention, des fois, moi, je fais pas trop de cut parce que, tu sais, je sais qu'il y en a, ils trichent, tu vois. Tu sais, j'ai vu des Américains, frérot. Soit les Américains, ils ont une chance que nous, les Français, on n'a pas. Soit à chaque fois, ou alors ils mettent que les vidéos où ils ont des trucs. Mais sinon, non, ils nous escroquent. Policombre, Aspico. On enchaîne, notre coco. C'est une coco. Énergie. Hop, je les ai déjà, c'est pour ça que je râle, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est une... Ce que je veux, les gars, c'est une Amazing, tu vois. Au moins une Amazing dans le display. Franchement, il me faut au moins une Amazing dans le display, les gars. Allez, vas-y, c'est parti. En vrai, en plus, l'Amazing, elle part direct genre en collection, tu vois. Elle part, c'est pour moi. L'Amazing, elle est pour moi. Vas-y, 1, 2, 3, 1. L'Amazing, ça part directement dans ma collection, donc c'est important, tu vois. Dynavolt, 9-9. Pelofé. Dardanion. Girafigue. Attention, carte dresseur. Ouh, le Pokémon légendaire. Ok, je mets de côté. J'aime bien le contour quand même des cartes Jap. J'avoue que c'est quand même assez stylé. Hein. Le contour des cartes Jap, ça rigole pas du tout. J'essaie de faire gaffe pour pas vous laisser le ciseau dans le champ de vision une fois que le booster il est ouvert, tu vois. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 1. Hop, 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 hop. Karatroc, Yanma. Ouh, cheat VMAX qui tombe. Ça fait grave plaisir. Première VMAX qui tombe du display. Carrément cool, elle est carrément belle. Elle est carrément belle. Alors attends, hop, on la cale là. Attention. Oh, et j'ai plus le nom, je vous dis franchement, j'ai plus la rêve de ce Pokémon, je suis désolé. Moi je suis plus calé sur la première G, deuxième G, Faramp, tout ça. Mais là, là on se fait un combo les gars dans ce booster. Là c'est le booster, tu l'achètes, t'es refait. Hein. Si t'achètes un booster, tu tombes sur ça. Donc ça fait plaisir. Super content. Bon, on continue. Pour le moment, on n'a pas topé encore les secrètes. On n'a pas topé les secrètes. Ah oh là 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 là. Pourtant, t'as vu, je fais une pré-coupe juste avant. Les gars, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour louper aucune ouverture. Hop, vas-y, 1, 2, 3, 1. Ok, Axoloto. Yanma. C'est pas Pikléron. Si, c'est Pikléron, Pikléron. Melodelph, Megavolt, Dresseur. Oh là 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 là. Ok, c'est pas grave. On enchaîne. Bon, après, je dis oh là là, mais bon, on a déjà eu. Franchement, on a déjà eu un bon début de pioche, tu vois. Et il nous reste encore quand même pas mal de boosters, on va pas se mentir. Puis là, t'as vu, là, j'envoie du lourd sur les ouvertures. 1, 2, 3, 1. Allez. Allez, on y croit. Cette fois-ci, c'est bon, là. Pote de pique. Ah, pique les ronds, il est là. Attention, je sens bien ce booster. Pokémon légendaire. Ok, malheureusement, c'est pas ce que je veux encore. C'est pas mal. Bon, vous inquiétez pas, il me reste encore
beaucoup de boosters là, les gars. Oh là là, et si vous aimez bien les displays Jap, faut me le dire en commentaire. Moi, je peux en ouvrir, hein, il faut juste que je les commande. Donc voilà, et c'est important de liker parce que les ouvertures ça coûte cher. Je le redis, hein, y en a qui me disent oui, tu fais du Pokémon juste pour l'argent. Frère, Kojic fait 3000 vues par vidéo Pokémon et joue des displays des fois à 150 euros. Donc non, Picléron, Neuneuf, Axoloto, Rosemary, notre coco, oh, petite V, ouh, Farampe. Ok, d'accord, donc là on a eu l'ultra en fait de Farampe. Franchement, super belle carte. Donc je rappelle en fait, c'est les mêmes techniquement. Elles ont les mêmes capacités, sauf que la seule différence, c'est que l'artwork, il est différent, l'illustration est différente. Bon, pour le moment, ça va quand même, franchement, bonne pioche globale. Après, on n'a pas encore à sortir une petite rainbow, tu vois, ou une amazine, voilà. Là, ça commence à être le bordel sur le bureau, je vous le dis direct, il y en a partout. Là, j'ai mes cartes de collection à côté, je sais que vous voulez que je vous présente ma collection, ça va venir, vous inquiétez pas. Je prépare les vidéos aussi, ma collection. 1, 2, 3, 1, vas-y, c'est parti. Ok, Dynavolt. Bombe de pique. C'est né Eden. Ok. Gigavolt. Melodelph. Zygarde. Non, c'est pas Zygarde. Je sais plus si c'est Zygarde. Dites-moi en commentaire est-ce que c'est Zygarde ou pas. N'oubliez pas de me dire la carte que vous voulez gagner. Là, vous pouvez à peu près tout gagner. Je vous avoue que je ferais peut-être même gagner la VMAX. Franchement, moi, c'est pas une VMAX que je vais garder. Donc, pourquoi pas faire gagner cette petite VMAX. Voilà. Vous me dites en commentaire si vous voulez gagner cette VMAX. Ça peut le faire. Hop. Franchement, voilà. Des fois, je le dis, quand je vous dis la carte, mais genre, si je top Celebi, bien sûr que non, les gars, ça va pas être la carte à gagner. Je préfère être honnête avec vous, pas faire le mytho. Je vois des mecs qui vous font gagner, genre Zarma, des super Dracaufeu et tout. Ah, frérot, pas moi. Aspico, Axoloto, énergie. Attention. Ouh, je l'adore, je l'ai en plein d'exemplaires en FR. Mais la carte est magnifique. La carte est magnifique. J'ai plus le nom, mais pour être honnête. Mais après, en vrai, dans une vidéo, je vous sortirai mes classeurs, je pense. Je pense que ça va se finir comme ça. Enfin, mon classeur, pas mes classeurs. Je suis en train de m'emballer, là. Vous dire mes classeurs, mais j'en ai qu'un. En fait, j'ai surtout une boîte. Je pourrais vous la montrer après, si vous voulez. J'ai une boîte, les gars, où j'ai tout. Et tu vois, genre, par exemple... Alors, attends, je suis pas un bâtard. Non, hop. Tu vois, là, j'ai toutes mes cartes de collection, tu vois. Enfin, c'est mes cartes de collection, tu vois, mais elles ont pas toutes de la valeur, en fait. Tu vois, il y a des cartes. Comme je disais souvent, ouvrez pour le plaisir, tu vois. Et genre, une carte de collection pour vous, dans votre collection perso, bah, elle a pas forcément une valeur de ouf, en fait, tu vois. Non, mais qu'est-ce que je fais, y a pas de code online, là. D'ailleurs, c'est vrai, ça. Booster Jab, y a pas de code online. Allez, Policombre. Sinistrel. Rocabo. Dresseur. Je sens bien ce booster. Et non, et voilà. J'aurais dû la boucler, je le savais. Alors attendez, est-ce que là on a un petit peu moins de booster. Alors on commence à arriver sur la deuxième partie. Là, on est sur la deuxième partie de l'ouverture. Il nous faut du lourd, il nous faut du lourd. 1, 2, 3, 1, allez. On y croit là, une petite allez, une petite amazing. Allez, Picléron, Sinistrail, Eden, Dresseur. Elle est magnifique cette carte, l'artwork est magnifique. Attention. Lugia en reverse, wow, en holographique, pardon. Après, elles sont holo au milieu, mais reverse sur les côtés, dans le fond, tu vois. La carte en elle-même est pas brillante, mais l'intérieur, elle est magnifique. Le Lugia est sublime. Le Lugia est sublime, j'adore cet artwork. Franchement, puis alors, en Jap, elle rend, mais super bien. Enfin, en japonais, c'est vraiment un truc de fou. Puis Lugia, c'était quand même assez emblématique aussi, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Il y a des Pokémon légendaires qui sont mieux passés que d'autres. 1, 2, 3, 1. Au début, c'est Celebi, il n'était pas hyper hype, hein, en vrai. Celebi, il est devenu hype plus tard. Coconfort. Oh, boum! Montracide VMAX. Montracide VMAX, je l'aurais topé. Hein. Mon gars, des Montracide VMAX, j'en ai un paquet. Hein. Pareil, si vous voulez remporter un petit Montracide VMAX, c'est possible, vous me le dites en commentaire. C'est... Alors, en vrai, en gros, genre, tu vois, genre, si la vidéo elle atteint 1000 pouces bleus, en vrai, je ferais remporter un Montracide. Tu vois, genre, en vrai, je suis honnête. Après, si elle fait pas 1000 pouces bleus, je ferais remporter une petite V, tu vois, classique. Tu vois, ce qui est déjà pas mal. Et boum, et Montracide classique en V. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on top la VMAX, j'ai l'impression qu'on top la V. Ça fait deux fois. Et ça m'était déjà arrivé dans un autre booster. Et je vous dis combien il me reste de boosters. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 boosters. Et pour le moment, on n'a pas topé une seule amazing. Je vais pleurer. Hop, voilà. Je coupe ici. Allez. Allez, après, la pioche globalement est bonne. Non, la pioche globalement est bonne. Hop. 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 1, 2, 3, 1. Allez, on y croit. Après, s'il y a une VMAX, on le sait direct. Alors, attends, Carafroy. Voilà, pas de VMAX. Dresseur, Girafig, Lucario.
Regardez les gars, 87/76. Ouah, quelle ouverture! Yes mon gars! Yes mon gars! Ça c'est fait! Lourd! Comment ça fait trop plaisir! Oh, comment ça fait trop plaisir! Oh, elle est trop classe mon gars! Brille de mille feux! J'en ai pas ouvert beaucoup encore des rainbow foulards secrètes. Hein. Oh, elle est trop belle! Je l'avais pas topé. Hein. Des montracites et des montracites VMAX, j'en avais eu vraiment un paquet. Mais alors, montracites VMAX Rainbow Full Art, non, j'avais pas eu encore. Donc là, je suis super content. Tu vois, là, franchement, ça fait plaisir, tu connais. Hein. Allez, écoute, on va enchaîner. Il nous reste 4 boosters. Franchement, si je sors une Amazing Rare, bon, bah écoutez, les gars. Aujourd'hui sera une belle ouverture. Déjà, c'est une belle ouverture. On va faire le recap après. Mais bon, là franchement, ça fait plaisir. Hop. Ok. 1, 2, 3, 1. Allez, une petite Amazing, mon gars. Ce serait tellement ouf. Aspico. Dynavolt. Énergie. Nut Coco. Attention. Xerneas en holographique, reverse comme vous voulez pour le coup, là franchement, les extérieurs et l'intérieur brillent, donc c'est difficile de la qualifier. En vrai, c'est une holographique, mais bon. Hop. Non, c'est une reverse. Oh, je suis paumé. Vas-y, on enchaîne. Hop, 1, 2, 3, 1. Oh là 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 là, on a sorti quand même du 2VMAX. 2VMAX, c'est une secrète. Axolotl Nenef. Allez, Megavolt. Dresseur. Yes, mon gars, yes. Yes, quelle ouverture, mon gars. Ça, c'est bon. Allez, là, elle est trop belle, mon gars. Oh, elle est trop belle. Alors, je sais plus si c'est Zamasienta ou Zacienne, je vais être honnête avec vous. Mais, oh, elle est trop belle, je refais, mon gars. Alors, attends, parce que là, du coup, comme ça part dans la collecte... Je la mets direct en fait sous sleeve, tu vois. La carte est nickel. Franchement, la carte est vraiment impeccable. Donc, je suis trop content. Et du coup, en plus du sleeve, ça part. Clac, ça part sous top loader. Et pour ceux qui veulent. Hop, pour ceux qui veulent, regardez, je vous montre. Hop, alors attendez, je mets le lecteur derrière. Voilà. Pour le moment, j'en suis là. 1, donc je sais plus si c'est Zacian ou Zamasienta. 3 Raikou en FR. 2 Rikuza en FR. 2 Jirachi en FR et j'ai une Jirachi en... Allô, ma Jirachi. Bah, j'ai perdu une Jirachi ou quoi, frérot? Oh, c'est quoi ce délire, là? Frère, je me suis servi de la Jirachi... Elle est là. Voilà. Et une Jirachi en Jap aussi. Du coup, ça m'en fait 2 en Jap. Je t'avoue que je suis content parce que je l'avais pas. Même si je parle de Celebi en constant, tu vois, je suis content. Bon, on est pas mal. Mais je vous présenterai ma collection, mes objets, tout ça, vous inquiétez pas. Vas-y. Oh là, je suis pas mal. Et franchement, ouais, super bon résultat de display Jap. Hein. Là, franchement, là, mon gars. Là, si on a plus rien, c'est pas grave, tu vois. Là, si on a plus rien, c'est pas grave. 1, 2, 3, 1. C'est parti. Rocabo. Il y en a partout là, sur le truc. Yanma, Eden. Énergie. Ok, petit Pokémon légendaire. Ok, du coup, dernier booster, si je vous dis pas de bêtises, hein, logiquement, si j'ai pas fait de bêtises. Voilà, dernier booster, hop, après, putain, j'ai tellement de trucs à vous montrer, là, tu vois, je suis tellement hype quand je fais une boîte comme ça, tu vois, parce que là, tu vois, c'est comme une ouverture, j'ouvre toute une boîte et tout, tu vois, si tu sors rien, t'es déçu parce que, bah, 1, ça t'a coûté quand même pas mal d'argent, 2, t'as tourné une vidéo, donc tu te dis, bah, si j'ai rien dans la vidéo, c'est quand même, genre, ultra dommage. Et du coup, bah, quand tu sors quelque chose, t'es content, tu vois. Tu sais que tu vas sortir une vidéo et en plus, il y a du lourd, tu vois. Donc, c'est super. Ok, c'est parti pour le dernier booster Sinistrel. Bluffé. Dardanian. Lucario. Trainer. Fromage. Ok, on terminera par une rare classique que je vais jeter là comme un cingouin. Mais les gars, mais cette ouverture. D'ailleurs, regardez, hein, on va faire péter quand même la VMAX Rainbow. On va quand même la foutre sous sleeve et top loader, tu vois. Parce que bon. C'est quand même pas tous les jours que j'en ouvre, tu vois, donc on va quand même faire ça bien. Je suis quand même super content, tu vois, parce que, alors attends, en vrai, on va faire le recap. Donc tout ça va partir, toutes les rares comme ça,
elles partent de côté, mettez-les bien de côté, tu vois, c'est quand même des rivers, tu vois. J'avoue que quand t'ouvres beaucoup, en vérité, t'as tendance des fois à en laisser 2-3 de côté, et au final, c'est pas bien. Donc, on a topé le Montracite, comme ça, on l'a topé en V, on l'a topé en V max, on a... Tiens, il me fait penser à ce Pokémon, j'ai pas le nom, mais il me fait penser à Togepi. Je te jure. Franchement, on a Pharamp et là, ça, on en a eu deux. Franchement, toutes ces cartes-là, elles sont quand même magnifiques. Donc, je vais toutes au moins les mettre sous sleeve. Tu sais, en fait, je suis en mode, je fais un peu économie parce que j'ai pas des sleeves illimités en fait. Mais peut-être un jour, j'aurai un partenaire Pokémon. Et ça, ce serait bien. Ça, je vous avoue que ça, même si je pouvais avoir un partenaire Jap, je serais très, 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 très heureux. Et du coup, ça, c'est super cool. Donc, voilà. Donc, tout ça, tout partira à la vente, pour être honnête, sauf le Zacian. Pourquoi ça part à la vente ? Je collectionne les cartes au coup de cœur, c'est-à-dire que je collectionne pas de série, pour rappel. Déjà, parce que j'ai pas forcément les moyens de collectionner une série. Collectionner une série, ça coûte super cher. Et secondo, bah, revendre des cartes sur ma boutique eBay qui se trouve en premier lien de description, bah, ça me permet aussi de financer mes ouvertures et de faire donc un maximum de contenu. Actuellement, j'ai envie de m'orienter sur une vidéo Pokémon le mercredi, une vidéo Pokémon le samedi et une vidéo Pokémon le dimanche, accompagné de Brawl Stars très certainement, mais voilà, d'apporter quand même un contenu régulier. Et en plus de ça, on a topé du coup le Zacian juste ici, qui est magnifique. Donc franchement, très très belle ouverture, parce que regardez, sur 20 boosters, on pète quand même 4, 5, 6, 9, 9 cartes intéressantes. Donc franchement, je suis super content. Voilà, c'est tout pour moi. Pensez à liker, vous abonner. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt les amis. C'était David Carrefour, ma chaîne YouTube. Peace.